Bienvenue sur ma chaîne, les amis. Heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, une fois de plus, dans de belles énergies d'amour. Donc aujourd'hui, je viens partager avec vous ma recette très 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 facile de gâteau au yaourt. Donc pour ça, nous allons faire avec le sucre. Nous allons faire avec l'huile, 3 œufs, un pot de yaourt et la farine, la levure également. Nous allons commencer. Vous allez voir une recette très très, très facile à faire. Donc on va commencer. Donc voilà, on va commencer par mettre notre pot de yaourt. Donc on va aller avec les œufs. C'est un gâteau très très facile à faire. Donc après ça, on va aller avec le sucre. Le sucre ici, c'est l'équivalent de 3 pots de l'équivalent de 2 pots de yaourt. Ok, vous mesurez le pot de yaourt que vous mettez dans le gâteau et vous prenez 2 pots de 2 pots de yaourt de sucre. Donc là, je vais tourner tout ça d'abord dans un premier temps et on se retrouve. Donc après ça, on va aller avec la farine. Donc la farine également, vous mesurez. Avec le pot de yaourt, donc vous prenez 3 pots, 3 pots, l'équivalent de 3 pots de yaourt, vous mettez la farine, c'est ça. Voilà. Donc, je vais mettre ma levure, donc l'équivalent de, voilà, une cuillère à soupe de levure chimique. Donc on va tourner tout ça. Voilà, donc à cette étape-là, on va aller mettre l'huile. Donc l'huile, on va prendre l'équivalent du 3 quarts hein, du pot. Le gâteau au yaourt, il se prépare avec de l'huile végétale, pas de beurre. Donc vous prenez l'huile végétale de votre choix, là. Vous mettez. Voilà. Gâteau facile à faire, donc on va tourner tout ça. Voilà, donc là, voilà, la pâte se présente. Donc après l'avoir fouetté, on la fouette avec avec simple, c'est pas le fouet, voilà. Il faut pas utiliser le robot électrique là. C'est juste avec le fouet. Donc on va aller avec le gâteau yaourt. Là, j'ai préchauffé mon four à 180. 180 et il va faire 25 minutes. Et on se retrouve pour le résultat final. Voilà mes chers amis, le rendu de notre gâteau yaourt. Voilà, donc là il est prêt. Je crois qu'on va le tester ensemble. On va le tester ensemble. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va le tester. Voici, il est cuit. Voilà. Le couteau est propre. Je crois que notre gâteau, il est prêt. Il ne reste plus qu'à le démouler, le découper et le partager. Voici mes chers amis le rendu de notre gâteau au yaourt. Il est là. Je crois qu'il est juste parfait. Il est bien moelleux. Le voici. Donc je l'ai présenté avec du yaourt et des cerises pour accompagner le tout. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi une fois de plus. On se retrouve pour une prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien toujours sur ma chaîne. Bye!